Rap à Alban et David, bonjour. Bonjour Fred. Salut Fred. Bon, les leurs, chez Rapala, c'est pas, c'est allez, intemporel pour certains. On a des leurs qui datent des X années. D'ailleurs, on entend encore toujours depuis des années et des années, tu pêches au Rapala. On pêche au poisson nageur avec la marque Rapala. Exactement, et Rapala, donc c'est effectivement l'une des plus vieilles marques de leurre, l'une des dernières qui est fabriquée en Europe, et Rapala a su se réinventer avec tous les leurres en balsa qu'on connaissait, qui continuent toujours, mais avec toute une gamme de leurres maintenant, avec des finitions beaucoup plus réalistes et des leurres modernes adaptées aux techniques qui évoluent aussi. Alors, on va parler effectivement pêche en mer. David, toujours guide à Port-Bourgenais. Toujours guide en Vendée, à côté des Sables d'Olonne. C'est ça. Tu officies en demi-journée, journée. Alors demi-journée, Enfin, journée en marée complète, en ou. séjour, avec hébergement ou non. Avec hébergement. Aussi, Ah, différents types bien. de poissons. Donc ça va du bar et du maigre. On a un beau secteur à maigre également sur la zone. Également d'autres poissons qui se rapprochent un petit peu des pêches un peu plus exotiques, comme les bonites, les mides, le thon rouge qui est de plus en plus présent. Donc c'est sympa, on a une belle diversité piscicole et on a de quoi s'amuser sur les séjours ou les demi-journées ou les journées. Je sais que tu pêches un peu tous les poissons. Bah écoute, à partir du Tu moment que t'adaptes. ça fait piller le carbone et qu'on prend du plaisir, oui. Voilà. Je sais que tu es Voilà. capable de t'adapter. Tu es même capable de trouver un banc de maquereau, puis de monter des petites cannes avec des petits leurres, et puis derrière, on Exactement, te fait on pêche plaisir. ultra light et on s'amuse, on enchaîne C'est 10-15 génial. maquereaux vite fait et après on part sur une autre espèce. C'est C'est génial. l'avantage de la zone. Et puis, je te dis, à partir du moment où le carbone plie et qu'on s'amuse, je pense que c'est le principal. Pouvoir s'adapter, comme le fait Rapala au fil des années, s'adapte avec les différents leurres. Et là, on va parler de poissons nageurs, en l'occurrence, dans un premier temps, et de leur souple après. De la marque Storm pour les leurres souples. C'est ça, on C'est a ça. Storm pour les leurres souples et puis on a Rapala donc pour les poissons nageurs. Et là, on parlait de thon et de pélamide. Et cette année, l'une des nouveautés, c'est un nouveau leurre qui a été spécialement conçu pour pêcher sur chasse, qui existe en deux versions, qui s'appelle le Magnum Cast et le Magnum Prey. Donc, N'oublie pas que t'as que deux mains, hein. Tenir le c'est micro, vrai, et tenir je viens de m'en je vais t'aider, apercevoir, tiens, je t'en donne un. Non, on peut t'aider aussi, mais Voilà. bon. Donc, Voilà. particularité de ce leurre, c'est qu'il est très compact, il fait 10 cm, donc ce qui est court. Par contre, il fait 42 grammes, donc hyper lourd, ça se lance très très loin. Et il existe en deux versions. Une version avec une petite bavette qui est conçue pour être amenée assez vite juste sous la surface, quand tu as par exemple une mer agitée et que tu veux pêcher juste sous les vagues. Et une version comme celle que tient David, qui est une Sans version bavette. sans bavette, qui va être utilisée, ramenée très rapidement en surface, comme si c'était un petit poisson qui fuit. Et dès qu'on l'arrête, il va dandiner Papillonner comme ça un petit à peu la la descente. descente. Et autre particularité, c'est qu'ils sont ce qu'on appelle full wire, c'est-à-dire que l'armature est en une seule pièce soudée. Donc même si on prend un des gros thons rouges du Exactement. secteur, on est sûr que le leurre ne sera pas détruit. C'est renforcé, quoi. C'est le type chez Magnum, en fait. C'est vraiment des poissons nageurs qui sont destinés à des gros poissons et qui vont résister à la pression de ces gros fiches, quoi. Hameçon français. Hameçon français, bien sûr, hameçon VMC. Alors d'origine, ils sont équipés avec des hameçons renforcés 3X, parce que tu sais que nous, les leurres sont vendus dans plusieurs endroits dans le monde. Et donc notamment en Asie, ils pêchent beaucoup au lancer sur chasse, comme ça, des petits thons. Donc ils sont équipés avec des 3X. Mais tu vois, sur celui-là, sur celui Oui. que tient David, là, on l'a monté avec un hameçon simple, donc de chez VMC, fabriqué en France, fabriqué chez nous. Et là, tu vois, c'est le 72-66 en taille 3-0, qui est juste la taille idéale pour aller avec ce leurre. Et l'avantage des hameçons simples, c'est que ça permet déjà de tirer beaucoup plus fort qu'un hameçon triple, puisque ça prend plus de chair. Et en plus, quand on veut relâcher les poissons, parce que les thons rouges, tu sais qu'il faut des bagues, hein, pour les garder, donc c'est les poissons qu'on relâche régulièrement. Donc quand on veut les relâcher, ils repartent en meilleur état. Ouais, tu vois, au niveau guide aussi, au niveau sécurité, tu vois, je sais que toi aussi, Fred, t'es attentif à C'est ça, ça. mais quand on peut avoir des hameçons simples comme ça, en plus sans ardillon, tu sais, quand on veut lancer loin, des fois, ça peut, c'est jamais arrivé, hein, Ouais, touche du il bois tout existe, de suite, massif. Il existe une version sans mais voilà, ardillon aussi. si on se Ouais. plante dans le doigt ou dans le bras ou quelque part, c'est facile à enlever, quoi. Oui, je Tu vois? sais. J'ai des marques, hein, j'ai quelques marques, quoi. J'ai quelques marques, bah oui, sur chasse, on est tous un peu abrutis quelquefois, et puis on y va, on lance, et puis on est trois à lancer en même temps. C'est Mais il y en ça, a qui n'y arrivent pas à la chasse et quand on même. oublie qu'il y a un copain qui passe derrière. C'est ça, Ça voilà. arrive, ça arrive. Donc ça peut être pratique, ce genre de choses. Carrément. Ce genre d'hameçon sans ardillon. Enfin, même s'il a un ardillon et que c'est un simple,
sera beaucoup mieux qu'un triple, croyez-moi. C'est déjà mieux. Ouais. Ça, et puis si tu pêches avec une tresse de 80 livres et que tu mets 10 kilos de frein sur ton sur ta canne, et ben un hameçon triple de petite taille va s'ouvrir, un hameçon simple, lui, va être beaucoup plus solide et tu vas pouvoir ramener ton poisson. Oui, c'est ça, parce que si tu accroches le copain avec cette tresse-là, comme ça, tu l'envoies direct à l'eau. Hein. Ouais. On voit les poissons pris. Ici, là, c'est toi, Alban, ça qui. Alors, pas celle-là, ça, c'est une vidéo qui a été faite par les Australiens. D'accord. Je te disais que quand on fait un leurre, on le fait pour le monde entier. Et donc, en Australie, ils pêchent beaucoup les tasards rayés, qui sont une sorte de très gros maquereau. Donc, c'est des poissons qui font en moyenne 10-15 kilos. C'est pour ça qu'on les a montés avec un hameçon renforcé 3X. Alors que chez nous, on va plutôt pêcher, bien sûr, les pélamides, mais on va pêcher aussi les thons rouges qui sont un peu plus gros. Ils sont magnifiques, c'est-à-dire en plus, 42 grammes, ça commence d'être un poids intéressant, et pour le propulser, c'est beaucoup plus facile, du coup. Ça se lance super bien, et les coloris sont hyper réalistes. Donc il y a... Ouais, on se rapproche vraiment des poissons qu'on peut trouver également sur nos côtes, poissons forage, donc du coup, c'est vrai que c'est... Également destiné à l'exotique, mais adapté aussi à nos eaux. Quoi. Et le fait de l'oscillation, c'est important pour les flashs lumineux de ce leurre-là. Quand tu dis il redescend avec une oscillation... Oui, parce qu'il a un ventre plat, il est très très lesté au ventre. Donc dès que tu l'arrêtes, il dandine comme ça. Donc déjà, ça peut être intéressant d'avoir un poisson qui suit, de ramener très très vite, tac, d'arrêter pendant une à deux secondes, il redescend, ce qui permet de venir, qui cible son attaque et qui vient prendre. D'ailleurs, on le voit. Exactement, je voyais. Il peut avoir des touches sur la descente. Bah, bien sûr, sans animer. Il nage quand même, du coup. Voilà. Et puis, plusieurs coloris. Alors oui, il y a beaucoup de coloris. Alors, ça va du coloris rose bonbon, qui est devenu un incontournable, parce que rose fonctionne très très bien, à des coloris hyper réalistes, comme par exemple sardine, anchois, tu as mulet, tu vas avoir des poissons comme les aloses aussi. Donc tu as vraiment plein de coloris, tu vas avoir grosso modo tu vas pouvoir toujours matcher le poisson fourrage. Donc du dos vert au dos noir au dos bleu, et puis il y a même du blanc, il y a beaucoup de coloris. Taille 120, non? Taille 100. 10 cm. 10 cm 42 grammes et 41 grammes. D'accord. Après, on va évoluer sur une autre technique de pêche, la technique de pêche au leurre souple. Et puis, je vois les leurres qui sont là-bas, nouveaux coloris, nouvelle taille. Ouais, deux nouveaux coloris pour cette année, donc dans la gamme Biscay Chad et Biscay Minot chez Storm. Alors, c'est fabuleux. Alors, donc, deux nouveaux coloris, c'est cela. On a fait, on revient à notre coloris rose. Je salue Titi, il sait pourquoi. C'est quelqu'un qui m'a fait découvrir ce leurre, qui n'est pas guide de pêche, c'est un ami à moi qui avait ce leurre. Et on a pris des poissons avec. Et Thierry, je te remercie de m'avoir fait découvrir ce leurre. J'ai bon être guide, mais je n'ai pas tous les leurres dans la boîte. Et lui, il les lavait. Ouais. Donc, on a fait une belle saison. C'est des leurres, l'année dernière, ils étaient sortis dans des coloris ultra naturels. C'est ça. Donc il y avait le lanson, le macro bleu, le macro vert. Voilà. Et là, cette année, on a rajouté deux coloris qui sont justement pas naturels, mais hyper utiles. Je sais que toi, tu utilises beaucoup le rose sur les maigres. Beaucoup le rose, ouais. Alors, je vais l'utiliser sur deux cas précis. Soit quand l'eau est un peu teintée. Un peu couleur jaunâtre après une grosse houle par exemple ou des précipitations, ça va permettre de se démarquer au niveau de la couleur, mais également quand le poisson est pas mordeur mais est présent, des fois on les voit au sondeur et on le tape pas avec des couleurs naturelles. On a eu une autre possibilité d'essayer de le faire attaquer, c'est en partant justement sur des coloris comme ça irréalistes, et là on va jouer sur l'agressivité voire la curiosité du poisson qui va venir prendre le leurre pour voir ce que c'est. Et forcément, on aura la touche. Il y a certains poissons, bah, notamment, comme tu disais, Alban, le maigre, qui restent assez agressifs, petits. Alors, petit, pour moi, c'est entre 2 et 15 kilos pour les maigres. Voilà. Parce que ça devient gros quand même. Mais ils sont assez réactifs, assez agressifs, et sur des coloris flashants comme ça, ils répondent assez bien. Ouais. Alors, on a vu la grande taille avec l'hameçon protégé. Oui, c'est l'hameçon ça. Dans le leurre. Et là, je vois la taille inférieure. Et il existe en deux versions. Tu l'as avec l'hameçon texan à D'accord. l'intérieur du corps articulé. Et tu as aussi, bien sûr, ces deux couleurs-là disponibles dans la version classique, dans la version minot, avec un hameçon de tête plombée classique qui va être plutôt adapté à toutes les pêches à la volée, toutes les pêches en pleine eau. Et d'ailleurs, dans les nouveautés, donc l'année dernière, on avait sorti ce modèle-là qui avait une tête de 22 grammes, donc 12 cm avec 22 grammes. Et là, on a ajouté à la gamme exactement le même modèle, mais avec une tête de 16 grammes. Pour justement les pêches d'été, quand tu es dans 4 à 5 mètres d'eau, tu vas pêcher un petit peu plus léger. Donc on avait besoin d'avoir le même corps, même taille de corps, mais avec une tête un petit peu plus légère. On en trouve en vente sur le salon ?
Bien sûr, oui, on les trouve, on les trouve chez Alré et puis à la D'accord. coopérative maritime. Je repartirai avec quelques-uns. Il y en a plus beaucoup, mais il y en a encore quelques-uns. Bon, bah, s'il y en a plus chez vous, on trouve et j'irai dans tes boîtes. Oui, non, et c'est important d'avoir des têtes un peu différentes sur un même corps. Ça permet de pouvoir s'adapter encore à ce qui va se passer en action de pêche. Et des fois, un courant qui va prendre ou qui va ralentir, ça nous permet de s'adapter au maximum et d'être le plus réaliste possible et le plus pêchant possible, quoi. Ah, tiens donc. Et oui, bah, alors, ce que j'aimerais avoir, c'est souvent, malgré que ça soit des nouveautés, que ça pêche bien, qu'il y ait juste à animer, etc. Est-ce qu'il y a un astuce, l'astuce du guide ou l'astuce du pêcheur en plus à greffer sur ce lent, un petit truc ou je ne sais pas, que vous avez... Sûr, on ne le révèle pas, mais est-ce que vous n'êtes pas obligé. Mais je demande. Alors, bah, notamment sur le bisque émino, on a sur cette tête-là, on a un petit anneau dessous. Donc on va pouvoir venir rajouter une palette, par exemple, tournante, voire un autre hameçon, un triple, parce que je sais que ça pêche également en traîne, ça tient également un peu la traîne. Mmh. Et je sais qu'ils mettent souvent un petit triple dessous, en plus. Voilà. Mais moi, j'aime bien la palette. Ça marche pas mal. Flash D'accord. visuel, en plus. Et moi, juste pour revenir à ces leurres-là, parce que moi, je les utilise aussi sur les pêches exo. Tu mets des palettes aussi? Non, non. Je mets pas de palette. Mais là, donc sur ce leurre-là, faut pas hésiter à mettre devant un petit émerillon. Là, on met un bas de ligne en 100 centièmes, en 130 livres pour les gros poissons. Et il faut surtout pas hésiter à ramener le plus vite possible. C'est souvent, on va attaquer des poissons comme les thons, qui sont des poissons qui nagent très très vite. Et donc, plus on va vite, souvent plus on a de touches. Il faut vraiment pas hésiter à ramener très très vite. Et l'avantage, c'est que celui-là, il tient, quelle que soit la vitesse à laquelle on ramène, il continue à nager et il tient 30 cm sous la surface. Et je serais même tenté de dire que plus vite c'est, meilleur ça pêche. Il faut imaginer que dessous, ça bouillonne. Donc quand on imite une petite sardine, les sardines, quand elles ont des poissons comme ça après elles, ça part dans tous les sens. Donc le but du jeu, encore une fois, c'est d'imiter un maximum ce qui se passe sous la surface. Et un tournage à 60 km/h. Donc nous, avec nos moulinets qui rembobinent 1 mètre par tour de manivelle, on n'arrivera jamais de toute façon à être suffisamment rapide pour le poisson. Donc il ne faut pas hésiter à être rapide. Et souvent, les thons, ils arrivent, ils regardent, ils repartent. Et c'est qu'on n'était pas assez rapide. Je verrais bien le mum en 20 grammes pour pêcher sur la Loire certains poissons qui sont... Toi, tu penses aux as, toi. Ouais. Parce que le mum en 20 grammes, 40, ça fait peut-être un peu beaucoup. 40 mais grammes, ça fait un peu lourd. Ouais. Le mum en 20 grammes, à mon avis, c'est à voir, à suivre. Messieurs, je vous remercie de nous avoir présenté ces jolis produits. On vous retrouve sur le stand Rapala tout au long du week-end. Non, pas toi, parce que toi, tu dois repartir, tu as beaucoup de choses à faire. Encore un autre salon, mais par contre, David sera toujours là. Et puis, si vous voulez venir pour voir comment on utilise les leurres dans les bassins, sur le bassin, on verra peut-être David sera là pour montrer. Peut-être que Patrick pourra passer aussi sur le stand Rapala lors d'une animation. Et si vous le voyez, on anime ces leurres qu'on vient de voir. Alors, les seuls qu'on ne pourra pas faire nager, c'est oui, ça. Bah oui, ça dans un bassin, on n'a pas la place. On n'a pas assez de longueur. Il faudrait s'en mettre. Tu vois. Par contre, sur tout ce qui est leur souple, bien évidemment, on peut les faire nager. De façon à illustrer ce que nous venons de dire. C'est ça. Super. Merci, messieurs. Merci Fred. À toi. Ça roule. À bientôt. Prochain direct dans quelques instants. Ici, même, à tout de suite.